Coucou, j'espère que vous allez bien. Le matin, on avait le travail d'égorger notre chèvre. Ça m'a pris du temps. J'avais fait appel à quelqu'un de venir faire ça pour moi. Il l'a fait et on est resté couper nous-mêmes. Des petits morceaux, hein? Des petits morceaux. On a coupé ça nous-mêmes. C'est ça ici dans la casserole, hein? C'est ça. On a déjà lavé, mais on veut commencer à épicer. On n'a pas encore épicé comme il faut. On veut commencer maintenant là. Je voulais juste vous présenter notre chèvre. C'est ça ici. Ça, c'est les pieds, les dos, tout ça là. C'est ça ici. La tête est là. La tête est là. Comme on ne va pas utiliser la tête maintenant, on a seulement apprêté ça. Mais je n'ai pas coupé ça des morceaux. Comme on avait beaucoup travaillé, quand même, le corps a réclamé. Hein. C'est pourquoi j'ai laissé ça comme ça. On va mettre ça comme ça dans le congélateur. Les jours que je vais préparer, là maintenant, je vais couper ça maintenant, les petits morceaux. Ça, ce sont les histoires. De l'intérieur de la chèvre, les rognons, je crois la foie, je sais pas si c'est la foie ou bien les foies, je crois c'est les foies, tout ça là, les histoires de l'intérieur là, c'est ce que j'ai mis ici, ça maintenant c'est l'estomac, l'essuie. L'estomac, tout ça. Puis, notre peau, la peau de la chèvre est là. On a pilé, on a lavé, ça est là. Donc, on a apprêté ça, bien qu'on ne va pas utiliser ça dans 2 jours ici. J'ai seulement apprêté ça pour mettre dans le congélateur, dans les besoins. Là, je vais prendre déjà. Je ne vais pas vraiment traîner et puis préparer. Il y a des, comment on appelle, les intestins. Ça est là. Ça aussi, on a prêté, on a lavé bien. On a levé tout ce qu'il y a à l'intérieur, on a lavé. C'est ça, donc c'est déjà prêt. Donc, c'est ça, notre chèvre. On va épicer ça. Et les jours de Nouvel An, des 1er janvier, c'est le jour qu'on va prendre une partie pour préparer. Jusque-là, je ne sais pas si je vais faire les barbecues ou soit pour le moment, je ne sais pas encore, mais je vais d'abord épicer, que ça puisse rester dans dans les épices. C'est ça. Notre chèvre. Coucou. Alors, qui? Je m'en ai que la bénisse qui m'a avant midi, a pu aider à mon tabac. A son kinga, a tiré à mon son, mon quand on a mis Kenike, on a présenté la caméra. Il y a des bonbons, des essuies, des poissons, des moutons, des intestins, je crois. Il y a des chopons. Il y a des gens qui ont la manière de sauter. Parce qu'en fait, comme ils ont une famille, restreinte surtout. Là où nous nous vivons, on n'a pas vraiment de famille. Donc, là, on a une partie. On a comme ça, là. Jusque-là, on a été sur la salle à barbecue. Ou soit sur la salle à l'invité. Donc, on a pour épicer mon caca. Les élibusos, les premiers. Des toko. Il y a surtout pour ça, là.
enfants sont à table. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas fait une grande chose. Comme j'avais le travail avec le travail pour la chèvre là, j'avais seulement mis les haricots au feu. Et j'ai fait ça avec l'huile de palme. C'est ce que les enfants ont mangé aujourd'hui. Accompagné avec un peu de sucre. Je crois qu'il y a des gens qui connaissent la recette là. Les enfants font les jus, nous les parents vont boire de l'eau. Tu as mis tout dans les coucou, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager notre vidéo, nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine. Merci. Thank you.